Nous sommes avec le groupe Gorod. Nous sommes sur une excellente tournée hein, qui prend fin ce soir, malheureusement. Alors les gars, vous allez nous donner, déjà vous présenter, et puis vous nous donner un petit peu le ressenti de cette tournée. Donc Barbie, bassiste, accompagné de Julien au chant. Donc ouais, super tournée, avec un concept original de co-headlining à trois, où chacun tous les soirs joue 50 minutes, avec donc un ordre différent suivant chaque soir et suivant les villes. Je veux dire, par exemple à Bordeaux, on a joué en dernier, comme Psycup a joué en dernier à Montauban et Sup à Lille, dans nos fiefs respectifs donc. Mais en fait, oui, non, c'est une très bonne idée parce que ça a apporté, en fait, moi j'ai trouvé, c'est quand même une affiche avec des trois groupes qui ont des caractères propres, une identité musicale assez forte. Et pour le coup, on a eu beaucoup, nous, enfin après c'est souvent nous deux qui nous occupons du merch par exemple, et à la fin des concerts, on a eu de nombreux retours comme quoi pas mal de personnes étaient venues voir un des autres groupes, nous connaissaient pas. A bien aimé, a pas aimé, peu importe, mais nous connaissait pas, et donc je pense que ça a été pareil pour les trois groupes. On a pu toucher un nouveau public, et ce format de 50 minutes, moi je le trouve super intéressant parce que si t'aimes pas le groupe, 50 minutes c'est pas trop long. Si tu découvres le groupe, tu fais ah ouais, c'est pas mal, 50 minutes c'est parfait, et 50 minutes, si t'es venu voir le groupe, ah putain, j'en aurais voulu plus, mais tu t'es quand même pris 50 minutes dans la gueule, donc c'est. Ça le fait quoi, ça le fait. Donc ce format-là, pour moi, c'était nouveau, c'est original et ça fonctionne en fait quoi. Pas grand-chose de plus à rajouter. Enfin, ce qui est intéressant aussi avec cette tournée pour continuer, parce qu'on présente tant qu'à faire ce qu'on vient de vivre pendant 11 jours, hein, maintenant on est au 11e là, c'est que vraiment chaque groupe a son univers bien spécifique, c'est-à-dire que vraiment on est ça reste du métal, mais là vraiment ça n'a rien à voir. En fait, ça nous arrive des fois de faire des tournées où on est dans notre niche, nous on est la scène death technique, mais les deux autres groupes, donc Psycup et Sup, ont des univers mais complètement différents quoi. C'est-à-dire que aussi ça peut faire un choc des cultures pour certaines personnes hein, qui viennent qui disent oh j'aime pas parce que voilà les goûts sont tranchés, mais en même temps d'un côté on est sûr qu'on peut pas s'emmerder en fait. C'est que on sert pas la même sauce pendant 4 heures quoi, et hein, chaque chose a son truc, donc voilà pour terminer là-dessus quoi. Pour nous c'est bien avec le style assez chargé justement, tu vois, si t'as trois groupes comme nous dans une soirée, je pense que enfin, à la fin t'en as un peu marre quoi, clairement quoi. Est-ce qu'au départ, justement, quand on vous a proposé la tournée, est-ce que vous étiez un peu réticent et vous êtes dit oh là, attention, qu'est-ce qu'on vient faire là? Après, on n'est jamais réticent à faire une tournée, surtout que là, on savait que c'est notre tourneur qui l'organisait, Bass Prod. Donc bon, c'est comment il bosse, les salles avec qui il bosse. Donc là, les conditions sont juste, enfin c'est clairement la meilleure tournée au niveau conditions qu'on ait jamais faite, quoi. Donc non, on n'a pas été réticent. Après, l'affiche, alors c'est en rapport au label aussi, puisque tous les trois groupes on est sur le même label pour le coup. Donc non, réticent, non, absolument pas, quoi. Curieux, mais pas réticent. On va parler de l'actualité, on va parler du dernier album qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps quand même, hein, en fin d'année dernière, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus des textes et de la musique? Alors, c'est moi qui m'y colle là pour le coup. Ce qu'il y a, c'est que donc c'est notre sixième album, hein, mine de rien. Hein, ça fait un petit moment que le groupe est sur les planches et compose des choses. Et il y a une chose particulière déjà qui a été faite pour celui-là, c'est que c'est ce qui nous arrive de plus en plus régulièrement, c'est d'avoir des deadlines. Donc, ce qui force une certaine vitesse de composition. Donc, celui-ci, en tout et pour tout, à partir de la, en gros, presque du premier riff écrit jusqu'à la fin des prises, il y a 4 mois et demi qui se sont écoulés, quoi. Donc, ça a été fait extrêmement rapidement. En gros, après le processus de composition est resté le même, inchangé depuis le début. C'est-à-dire que c'est toujours Mathieu, donc le guitariste, compositeur, mastermind du groupe, qui s'occupe de toute la musique, donc programmation de batterie, guitare harmonisée et compagnie. Il fait un petit peu ce genre de chef d'orchestre. Et après, par contre, bon, ça suffit comme travail, donc il laisse le boulot au chant, en laissant pas trop de place. Voilà, parce que la musique est quand même assez chargée. Et donc, dans l'idée, donc voilà, c'est qu'on avait quelque chose aussi qui a été assez spontané sur cet album. C'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté avec un EP précédent qui sortait de notre discographie et donc qui a été fait vraiment dans l'urgence et vraiment très très rapidement et qui a forcé donc une sorte d'écriture pas trop léchée, c'est-à-dire qu'on va direct droit au but. Hein. Donc pas le temps de rechercher, de refaire les compos 1000 fois. Quand l'idée est venue, on la garde, c'est tout. Et après, ça a été un petit peu la même dans le processus créatif, enfin d'écriture des textes, c'est qu'il a fallu trouver un thème, vite trouver quelque chose, donc pas trop complexe, assez vite écrit. Et puis même,
On m'avait demandé justement dans le groupe de trouver un thème un petit peu fédérateur, un peu généraliste, assez pas trop hermétique. Plus accessible. En fait. Plus accessible parce que voilà, j'ai tendance à, si je me laisse aller, à faire des choses un petit peu très, très complexes. Et, enfin, c'est un plaisir, mais en même temps, c'est bien de le partager. Et donc, voilà, le texte, le premier truc qui m'est venu, bah, c'est tout simplement parler de la Lune. Parce que tout le monde a son histoire avec la Lune, que ce soit donc dans tous les peuples qui peuplent la planète, et depuis toujours, quoi. Parce que c'est tout simplement l'astre qu'on peut observer le plus facilement et le plus longtemps quand on lève la tête au ciel, quoi. Parce que le soleil, oui, on a cette culture là mais le soleil on va pas trop le regarder en face, hein, sinon ça ça peut être assez dangereux, alors que la lune c'est quelque chose de contemplatif et qui a donc qui a des cultes absolument partout, qu'il soit qui s'est représenté en fait dans toutes les cultures. Et, et je me suis dit que n'importe qui pourrait s'y reconnaître dans ce sujet là donc il y avait une volonté donc de spontanéité, donc de clarté au niveau de la composition, c'est-à-dire que c'est un des albums qui a jamais été autant couplé refrain que ceux qui ont été écrits ensuite, et donc il n'y a jamais eu de texte aussi clair. À la fois, il y a quand même quelques côtés un petit peu, on va dire, pas romancé, mais qui laisse en tout cas libre cours à l'interprétation. C'est pas trop dirigé. Enfin, certains textes sont assez dirigés, très narratifs, et d'autres sont un peu plus abstraits. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a un peu tout qui vient s'imbriquer, mais on reste sur quelque chose d'assez simple et efficace par rapport au reste de la discographie de Gorod, qui a toujours été très complexe. Donc voilà, c'est l'idée générale de cet album-là. D'accord. Qui est-ce qui a réalisé l'artwork ? Alors ça, on a fait ça en famille, hein, quelque part, parce que c'est Jeff Grimal qui s'en est occupé, qui est un artiste bordelais qu'on connaît bien, qui a même partagé un groupe justement avec Barbie, hein, qui a joué dans The Great Old Ones, donc il s'occupait donc de tout ce qui est l'univers graphique. Et également, en fait, voilà, c'est un artiste à plein temps, c'est-à-dire qu'il est peintre et graphiste et il vit de ça. C'est vraiment un artiste complet. Et le choix, on a fait parce que déjà c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est toujours plus pratique de travailler avec une bonne connaissance. Et qui plus est, on aime son travail. Donc c'est quand même assez extraordinaire, quoi, ce qu'il réalise. On est quand même tous assez fans de ce qu'il fait. On s'était dit qu'on bosserait un jour avec lui aussi. Voilà, c'était déjà latent. On s'était dit qu'il faudrait quand même qu'on s'y penche, de se lancer. Et ça a été l'occasion de s'y prêter. Et ce cas, c'est qui plus est, c'est quelqu'un avec qui j'ai dû pas mal discuter au niveau art, parce que voilà, moi je suis historien de l'art, donc et c'est une grande passion pour tout ce qui est art picturaux. Et on a quand même des goûts assez similaires avec Jeff Grimal. Donc je m'étais dit déjà pour la communication, ça pourrait aider. Si je lui fais telle ou telle référence, enfin en tout cas, il saurait de quoi il parle. Et donc ça pourrait aider à faire à tirer la chose vers le haut et trouver quelque chose qui mette tout le monde d'accord. Après, voilà, mettre tout le monde d'accord, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que chacun a ses goûts et voilà, ça s'est pas fait non plus en un éclair, hein. Le résultat qui est présenté là, c'est que chacun a dû mettre un petit peu sa patte, enfin en tout cas sélectionner. On a plein de choses ont été proposées, il y a eu quand même quelques mois de discussion, hein, avant d'arriver au résultat final, mais voici, enfin en tout cas là on a voulu rester quand même sur le côté familial, on communique entre personnes qui se connaissent et qui apprécient mutuellement ce qu'ils font, hein. Enfin c'est quand même ça l'idée aussi. Où avez-vous enregistré et avec qui ? L'enregistrement, les prises sont faites comme d'hab dans le studio de Mathieu. Et alors ça dépend des albums. Souvent il a tout fait de A à Z, c'est-à-dire des prises jusqu'au mastering. Soit des fois c'était des prises plus mix et le mastering confié à quelqu'un d'autre. Et donc là il a juste fait les prises parce qu'on voulait changer, c'est bien un grand mot, mais on voulait essayer une autre méthode, et donc on a fait appel à Daniel Bergstrand, donc en Suède, et Macquarie, non. Ouais. Macquarie pour le mastering. Laurence Macquarie. Ouais. Et donc parce que voilà, on voulait essayer, donc c'est au final ça fait une prod différente des prods qu'on a pu avoir jusqu'à présent, c'est ce qu'on voulait, donc tout va bien. La tournée se termine donc ce soir, malheureusement. Heureusement, nous on est là. Est-ce qu'il y aura des petites surprises ? Des petites surprises. Alors il est vrai qu'on a un petit peu évoqué la chose, mais ça reste de la discussion de fin de soirée, hein, pour l'instant. Mais peut-être qu'il y en aura ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera de faire un petit truc particulier, enfin en tout cas au moins de faire une grande célébration finale, quoi. Voilà, au moins garder un petit souvenir avec tout le package et pas rester un petit peu séparé, après, faire un truc tous ensemble. On était moins folle hier soir, on aurait peut-être bougé nos culs, aller chercher des trucs en ville, mais là, ça me paraît mal parti, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a eu beaucoup parlé, puis en fait, on a pas assez travaillé pour pouvoir vraiment préparer quelque chose, pour être honnête. Mais bon, peut-être qu'on trouvera un moyen de faire quelque chose. Il y a
assez de personnages farfelus pour improviser et animer la soirée. Ok. La suite, là, c'est quoi pour Gorod ? Donc là, on est annoncé sur une tournée américaine, donc avec Psychroptic, Cannabis Corp, c'est Mike Ober. Ouais, ça, je ne sais pas non plus. Et donc ça dépendra des visas, parce qu'on a toujours pas les visas pour aller là-bas. Donc bon, c'est l'administration américaine, hein, ça prend le temps que ça prend. Donc j'espère que ça se passera bien, qu'on les aura pour partir. Et si on part, c'est de mi-mai, de mi-avril à mi-mai à peu près. Voilà. Et après, il n'y a rien de officiellement prévu encore. Si, non, je sais pas. Non, ça le brutal assaut cet été. Et oui, le brutal assaut cet été, voilà. Après, il y a des choses qui sont en plan, mais j'ai pas, tout n'est pas confirmé. Donc. Est-ce que vous nous referez le coup de l'EP ou pas? Non, après, pour parler des EP, parce que c'est vrai qu'on en a deux maintenant, ce qui n'est pas non plus exceptionnel dans la discographie d'un groupe. Après, c'est un format très intéressant pour nous, parce que ça permet de développer des idées qu'on ne pourrait pas forcément se permettre de placer sur un album ou qui sont très difficiles à placer dans le contexte d'un album. Donc le format EP, donc en gros de 25 à 35 minutes, c'est quand même super agréable, facile, on autoproduit tout pour le coup, là on ne se pose pas de questions. Nos deux EP sont même pas chez des labels en fait. Hein, c'est vraiment... Et oui, par contre, oui, attendez-vous à avoir des EP, oui. Avec grand plaisir, quoi. Dans quelle direction, on verra, mais... Voilà, on verra l'idée qui se pointe. Hein. Ok, bah les gars, je vais vous remercier, je vais vous demander un petit mot pour la fin, et puis bah, j'espère qu'on va passer une bonne soirée, un bon concert, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Eh ben moi, c'est un grand merci à tous les autres avec les SUP et les PsyCup avec qui on a partagé cette affiche, c'était vraiment excellent, ma foi. Voilà, ça m'a très bonne affiche, donc j'espère qu'on va faire un très bon concert ce soir, enfin on va faire un très bon concert ce soir, une très bonne soirée, pas le choix. Et puis ouais, bah, puisqu'on est en Bretagne, merci à nos amis bretons pour l'accueil, qui chaque fois qu'on est venu a été excellent, et ça s'est revérifié hier à Brest, dans l'extrême Bretagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on vient quand même de temps en temps. Hein. On n'y vient pas tous les 4 matins non plus dans le coin, mais c'est vrai que chaque fois qu'on a joué à Rennes, c'était un vrai régal, en tout cas pour nous. Quoi. Et puis Brest, c'était la deuxième fois hier, et franchement, vu comment ça s'est passé, enfin, vu comment on en chie aujourd'hui, c'est que ça s'est vraiment bien passé. Hein. L'accueil breton, quand même, hein. c'est pas une légende, pour le coup. Des peu en reste, mais voilà, ben, on fait un grand coucou à tout le monde, et puis voilà, quoi, venez au concert et venez faire du bruit avec nous dès qu'on repasse dans le coin, quoi. Avec grand plaisir. Ramat. Ok, bah je vous remercie les gars et à très bientôt. Salut.